Joyeux anniversaire, Riley! Attends, il y a quelque chose qui cloche ici. Pourquoi a-t-elle l'air si abattue? Joie, allez, réveille-toi! J'aurai plus personne à jalouser! Mais je suis en panique! Joie, reste forte! Attends, laisse-moi prendre son pouls. Je suis vraiment désolée. Elle n'est plus là. Tu étais un tel rayon de soleil. Partie? Comment est-ce arrivé? J'ai rien fait! Et tout le monde! Belle fête, hein? Ne bougez plus, tout le monde à sa place! Je m'en occupe, pas de soucis. Il y a eu un meurtre ici. Et je vais résoudre cette affaire. Je vais faire cracher le morceau. Qui a fait ça? Elle va tellement nous manquer. Eh les gars, mettez vos commentaires. Qui est le tueur selon vous? Je dois examiner le corps. Il doit y avoir des indices ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez! C'est la mémoire de Joie! Nous sommes sur le point de découvrir ce qui lui est arrivé. Bon travail, l'équipe! On est en train d'y arriver. La préparation de l'anniversaire de Riley est presque dans la poche. Et si j'ai pas l'inscription à temps? Je pourrais tellement gâcher la fête. Horreur! Détends-toi, tu as tout ton temps. Oui, je peux le faire. Embarras? Sors! Tu vas tout rater. Je suis trop embarrassée. D'accord, j'essaierai encore plus tard. Ennui? Comment ça se passe? C'est la fête à fond. Ça, c'est l'esprit. Tristesse, comment est le gâteau? Le gâteau est le plus triste au monde. Attends, quoi? Notre Riley vieillit. Elle va avoir 13 ans. Bientôt, elle sera une vieille dame toute grise. Elle a encore beaucoup de choses devant elle. Souvenons-nous de Riley quand elle était jeune. Pas question. D'accord. Si vous changez d'avis, venez prendre le thé. Je vais juste laisser le gâteau ici. Il est temps d'allumer les bougies. Où est mon briquet? Tout le monde recule! Oups, essayons encore une fois. Mon briquet est éteint! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Stop! Où est passée Colère? Est-ce que quelqu'un l'a vu aujourd'hui? On sait pas. À l'aide! Le tueur! Eh bien, génial! C'est clair comme de l'eau de roche. Le crime a eu lieu quand les lumières se sont éteintes. Maintenant, vous êtes tous suspects. Mais je commencerai mon interrogatoire par lui. Moi? Mais j'ai rien fait! On verra bien. Tiens la pancarte. Il y a une erreur. Laissez-moi rentrer chez moi. Assieds-toi. Vous vous trompez de personne. Je suis trop timide pour tuer quelqu'un. Je sais que tu mens. Mais je sais pas mentir. Dernière chance, crache le morceau. D'accord, juste pas de lumière. C'est parti, c'est mon souvenir. Regardons-le ensemble. Je crois que ça s'est passé comme ça. Où est passée Colère? Est-ce que quelqu'un l'a vu aujourd'hui? On sait pas. Wow, qui a éteint la lumière? C'est notre chance. Marteau, fais ce que t'as à faire. Plus besoin de nous donner des ordres. Maintenant, c'est moi qui suis la plus émue. Ah, oh, ça fait mal! Qui m'a frappé? C'est le marteau d'anxiété? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu fais? Stop! Non! À l'aide! Le tueur! Elle a dit tueur? Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas coupable. Le tueur, c'est anxiété. Voilà une théorie intéressante. Désolée, mais je ferais mieux d'y aller. L'embarras adore se faire des idées. Pourquoi les menottes? Est-ce que c'est une sorte de farce? Je pense que le tueur, c'est toi. Le tueur, c'est ennui. Vous êtes sérieux? C'est ridicule. Reste immobile et ne bouge pas. Quelle histoire. S'il vous plaît, prenez toutes les photos que vous voulez. Assieds-toi. Vous êtes si ennuyeux. Ça va te faire parler.
Je sais ce qu'il faut faire. Donne-moi ça. Rendez-moi mon téléphone, le monde extérieur est horrible. Où en étais-je? Qu'est-ce que c'était? J'ai besoin d'informations. D'accord, je vais te le dire maintenant. Voici mes souvenirs. Alors ça s'est passé comme ça. Où est passée Colère? Est-ce que quelqu'un l'a vue aujourd'hui? On sait pas. Wow, qui a éteint la lumière? Riley, c'est dommageable d'être aussi joyeuse. Nous allons y remédier maintenant. Quel beau morceau. Joie, prends du gâteau. Merci, c'est très gentil de ta part. Essayons. Oh, je me sens pas très bien. Maintenant, c'est moi qui ai le contrôle. Et vous ne m'avez pas cru. Le tueur, c'est tristesse. J'ai compris. Je ne ferai jamais ça. Comment as-tu pu? Une autre photo pour ma collection. Comment est-ce possible? Joie était mon amie, je ne lui aurais jamais fait de mal. Assieds-toi. Enlevez-moi ces choses. Regarde-la. Elle se comporte comme un agneau innocent. Mais tout le monde sait que tu es le tueur. Je croyais qu'on était amis. N'essaie pas de me parler gentiment. Je n'ai tué personne. Tes larmes ne me feront pas changer d'avis. D'accord, alors je vais montrer mes souvenirs. Ils parleront pour moi. Où est passée Colère? Est-ce que quelqu'un l'a vue aujourd'hui? On sait pas. Qui a éteint la lumière? Il est temps d'arrêter d'être jaloux de Joie. Tu es trop parfaite. Je vais devoir me débarrasser de toi. Tu penses que je suis trop gentille pour me battre? Je vais te montrer. Ça fait longtemps que je veux faire ça. Il est temps de mettre fin à ce combat. Pourquoi est-ce que tout tourne? Enfin, personne n'a jalousé. Au secours, le tueur! Qui a fait ça? Comme je l'ai dit, je ne suis pas coupable. Le tueur, c'est Envie. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Non coupable. Pas convaincant. Souris. Il faut qu'on règle ça. C'est un coup monté. Il faut qu'on parle. Il y a trop de suspects au tableau. Tu n'as pas besoin de moi? Non. Tu essaies de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre? Ça prouve que c'est toi le tueur. C'était elle. Je le sais. On t'a trompé. Parle plus fort. Wow. J'aimerais bien devenir une lampe. Ne change pas de sujet. D'accord, d'accord. Désolée. Je vais te montrer mes souvenirs maintenant. Regarde comment ça s'est vraiment passé. Où est passée Colère? Est-ce que quelqu'un l'a vue aujourd'hui? On sait pas. Oh, qui a éteint la lumière? Elle me traite comme un objet. Mais je suis une personne! Ça suffit! Qu'est-ce qui se passe? Sacoche, tu serres trop fort! Je peux à peine respirer! Tu le savais depuis le début, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Désolée, je suis juste fatiguée d'être jalouse de Joie. Dépêchez-vous, on peut peut-être encore la sauver! Il faut qu'on lui enlève cette sacoche! Oh! Je peux respirer à nouveau! Où vas-tu? Joie, tu es vivante! Elle t'aimait tellement! Comment as-tu pu la trahir? Il est temps de se rappeler comment cette histoire a commencé. Non. Si vous changez d'avis, je serai chez moi. La petite Riley dort profondément. On se demande ce que ses émotions lui inspirent. Waouh, où suis-je? Que se passe-t-il si j'appuie sur ce bouton? Maman, papa! Génial, elle est trop mignonne. J'appuie encore. Oh, ça fait mal. Maintenant, c'est à mon tour d'appuyer sur le bouton. J'ai faim. Tu n'es pas très douée pour ça. Les larmes guérissent. Le rire est le meilleur des médicaments. Jouer. Manger. Jouer. Manger. Jouer. C'est moi qui commande ici. Ne pleure pas, chérie. Papa est là. Il nous aime tellement. Qui es-tu? Sa barbe est terrifiante. Oh, oh, oh. Quelle lancée. T'es ma future athlète, toi. Oups, désolée, j'ai paniqué. J'ai faim, combien de temps dois-je attendre pour manger?
Je veux manger maintenant! De la nourriture, de la nourriture! La nourriture est prête. Profite de ton repas. Qu'est-ce que c'est? Cette nourriture est absolument dégoûtante. C'est horrible! On ne jette pas la nourriture! On va être punis! Papa est gentil. Cet endroit est amusant. Bonjour à tous! Faisons connaissance. Je m'appelle Anxiété. Super coiffure. Tu ressembles à une sirène. Tu peux ne pas me toucher. Courage, vous êtes tous géniaux. Qu'est-ce que ce bouton fait? Je vais appuyer dessus. Stop! Hé, pourquoi es-tu si avare? Ne touche pas au bouton! Grincheux! Éloigne-toi des commandes maintenant! Très bien, très bien. Appuyez sur les boutons sans moi. Il est temps de remonter le moral de Riley. C'est pas juste pourquoi ils peuvent le faire et pas moi. Attends, je sais comment régler ce problème. Bientôt, je contrôlerai le comportement de Riley. Et je bloquerai toutes les autres émotions. Ils sauront alors ce que ça fait de s'en prendre à anxiété. J'ai appris un poème aujourd'hui. Pluie, pluie, reste et joue. Oh non, c'est pas bien. Je suis impuissante ici. À toi de jouer. Oubliez les mots devant toute la classe. Mode flip out activé. J'ai tout gâché. Je me souviens pas de la rime. C'est pénible à regarder. Arrête. Ça suffit. Tu vas inonder toute la classe de larmes. Attends. Où est Joie? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir. Mets-toi à l'aise, Sœurette. La clé de ta liberté est avec moi. Alors tu es coincée ici pour un moment. Au revoir. Quelle terrible trahison. Au secours, laissez-moi sortir d'ici. Elle est introuvable. Pourquoi tu restes là à rien faire? À rien faire? Ce cocktail ne se boit pas tout seul. Quelle équipe! Qu'est-ce que c'est que ça? Vite, venez ici! Regardez ce que j'ai trouvé! C'est terrifiant! Quelqu'un nous chasse! On va tous mourir! Mourir, c'est tellement injuste! Tu peux ne pas pleurer sur moi! Tu es impliqué dans cette histoire! Admets-le! Tu t'es débarrassé de Joie! Calme-toi, tête brûlée, regarde! Je suis aussi sur la liste! Ça veut dire qu'ils viennent pour moi aussi! Je dois essayer de sortir d'ici! J'ai un plan! Pauvres cheveux! Ils vont repousser. Maintenant, il faut en faire une clé. Ouais, ça a marché. Nounours, protège-moi. Je veux un vrai lit. Dormez bien, j'ai tout sous contrôle. Je veux t'attraper. Imbécile, t'es le prochain sur ma liste. Oh, c'était quoi ce cri? Je l'ai entendu aussi. Qu'est-ce qui se passe? Où est Colère? Regardez, c'est son marteau! Il a été tué, nous sommes condamnés! Il faut juste que ça rentre. Encore un peu, presque. Oh oh, quelqu'un arrive. Je vais faire semblant de dormir. Avance, mon grand. Tu vis ici maintenant. Je savais que c'était toi. Ouvre la cage. Passez un bon moment, joli couple. Quoi? Joli couple. Joie, t'es morte? Je suis vivante. Toujours vivante. Et j'ai un plan pour sortir d'ici. Tu es plus folle que ce que je pensais. Qui parmi nous est le tueur? Garde tes distances. N'approche pas ces microbes de moi. Maintenant, je dois me désinfecter les mains. Je ne fais confiance à personne ici. Oh! Stupide alarme. Elle m'a fait peur. Prends ça. Ressaisis-toi. Où est ta dignité? Désolée, je suis juste devenue très nerveuse. Regardez, il est en cri, il se réveille. Je désactive le mode sommeil. Oh, c'est quoi ce bruit affreux? D'accord, d'accord, je me lève. Arrête de sonner. C'est l'heure de se préparer pour l'école. J'ai vraiment pas envie d'y aller, mais j'ai pas d'autre choix. Tu es nulle pour crocheter les serrures. Donne-moi ça. Je vais le faire moi-même. Donne-moi cette stupide clé! Oh, c'était maladroit. C'est pas grave, calme-toi. On va trouver une solution. Quel est notre plan d'action? Attends, où est Dégout? Oh non! Est-ce qu'elle a disparu aussi? Mauvaise nouvelle! Dégout a été tué. Elle est morte!
Ça ne peut pas être vrai. Ne vous approchez pas de moi. Vous êtes des tueurs sournois. On n'a rien à voir avec ça. On est là depuis le début. C'est logique. Mais quand même, restez à l'écart. Quel sale endroit. Et ces deux-là sont là aussi. T'es dans le pétrin maintenant. Calme-toi. On doit agir en une seule équipe soudée. Cette idée me rend malade. Je peux pas la supporter longtemps. Faisons comme si vous aviez inventé quelque chose. Qui sait? On dirait que vous avez besoin d'aide. Oh, la sacoche, on est si heureux de te voir. T'es venu nous sauver? Je ne peux pas ouvrir la serrure, je n'ai pas de main. Mais en moi, vous trouverez des outils pour sortir. Je vais t'attraper. C'est bon. Ouvre-moi. Il veut qu'on regarde à l'intérieur. Allons-y. Qu'est-ce que tu nous caches? Ne t'approche pas de moi! C'est ton dernier avertissement. Je crois que c'est peur qui tue. Sortons d'ici! Comme ça, et ne vous approchez pas de moi! Oh non, j'ai oublié que Riley avait un match de hockey aujourd'hui. Je dois me concentrer sur le match. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je fais une crise de panique. J'ai perdu le contrôle des commandes. Dans cet état, je peux pas aller sur la glace. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa est là pour regarder notre match, au secours! Qui êtes-vous? Chérie, tu ne me reconnais pas? Ah! Ne t'approche pas de moi! Qu'est-ce qui te prend? Oh, ces adolescents! Papa est venu au match! Ajoutons à la collection d'horribles souvenirs! Oups! Je sais rien! J'étais pas là! Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'arrive pas à contrôler ma peur? Je veux juste me cacher de tout le monde! Ne me touchez pas! Riley, t'es là? Code rouge, papa va nous disputer parce qu'on a raté le match de hockey! Riley! Sors de là, je ne te ferai pas de mal! Ne me touche pas! Alors te voilà! Ne me mange pas, horrible monstre! Papa? Je voulais juste parler, pourquoi as-tu si peur? Qu'est-ce qui se passe ici? As-tu pris le contrôle de Riley? Où est Tristesse? Il ne reste plus que moi! Assassin! Ça ne nous aidera pas non plus. Oh, je trouve rien d'utile. C'est bon, il n'y a plus rien là-dedans. Désolée, j'ai aidé autant que j'ai pu. On dirait que c'est la fin. On est coincé ici pour toujours. Riley, tu vas tellement me manquer. Quel moment triste. Je suis sur le point de pleurer. J'ai beaucoup de souvenirs dégoûtants, mais c'était plutôt amusant. Ne vous avisez pas d'abandonner! Riley a besoin de nous! Attendez, j'ai une idée. Je vais nous sortir de là! Qu'est-ce qu'il prépare? Suivez-moi vers la liberté! On est libre! Allons-y, on doit sauver Riley. Pourquoi tu fais tout ça? Mon plan a fonctionné. Maintenant, personne ne peut m'empêcher de prendre le contrôle. Eh oh, je suis sauvée. J'ai gagné. C'est vous? Ton plan a échoué. Repose-toi. Il est temps de tout réparer. Faisons-le. Ajoutons des émotions positives. Waouh, regardez l'énorme cadeau que Riley a reçu. Voyons ce qu'il y a dedans. Waouh, c'est une maison en forme de joie. C'est génial! Maintenant, j'ai ma propre maison! Et voilà où peut vivre Anxiété, qui est toujours en train de paniquer. Il y en a encore un! Celui-ci est vraiment pour Miss Delight! Moi aussi, j'ai une maison! Qu'est-ce qu'elle a? Non! Je vivrai pas dans ce château de filles! Assez de câlins! On augmente le niveau de colère! J'ai fini de jouer avec cette maison stupide! C'est grave! On doit intervenir! Yay, on est là! Je vais aller voir ma maison. Regardez-la, elle me ressemble exactement! Et la mienne est si mignonne et confortable! J'ai hâte de dormir dedans. Qu'est-ce qui vous rend si heureuse? Si j'avais une maison, elle serait bien plus cool que vos horribles cabanes! C'est compris? Colère, arrête tout de suite! D'accord, j'ai réagi de façon excessive. C'est pas juste! Pourquoi on m'a oubliée? On a une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Le plan de ta future maison!
On se moque de moi? C'est affreux! Ma maison ne sourira jamais! Écoute, j'ai une idée géniale. Anxiété, viens ici. Et toi, ne bouge pas. On va dessiner la maison directement à partir de colère. J'ai compris. Faisons son visage un peu plus en colère. Plus en colère? Que pensez-vous de ça? C'est mon meilleur travail. Qu'en penses-tu? Très bien, ça ira. Il l'aime bien. Il est temps de faire le cadre. Hé, faites attention. Quel effet! Ouh! Cool, non? Qu'est-ce que vous fabriquez? Wow, le cadre a l'air bien. Maintenant, il faut trouver comment le couper. C'est une tâche difficile. J'en sais quelque chose. Mon ami, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Wow! Choisis la dynamite. Cours, il faut qu'on se cache. Ça devrait être assez puissant. Il suffit de placer les charges là où il faut couper. C'est fait. C'est le moment de faire un petit feu d'artifice. Courez, bouchez-vous les oreilles! Voilà le boom! Cachons-nous derrière la maison! Ça a déjà explosé? C'est sur le point d'exploser! Waouh! Colère, bon travail! Ça tient fermement! Une autre partie du plan est terminée! Quelle est la prochaine étape? Les yeux! Tu as raison, mais qu'est-ce qu'on va en faire? C'est quoi ce bruit bizarre? Vous voyez ça? C'est l'atterrissage d'un ovni! Des extraterrestres? Ils sont gentils ou méchants? J'ai peur! Ne t'inquiète pas, je m'en occupe! Vous n'avez pas été invités! C'est notre planète! Je vais les abattre! C'est trop dangereux! Il faut que j'appelle! Oh, j'ai besoin de votre aide! Bonjour, c'est moi qui ai appelé. N'oubliez pas de venir nous chercher plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un ovni a atterri. Qui êtes-vous? On n'a pas appelé la sécurité. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ils font des expériences secrètes. T'as entendu ça? Elle a dit des expériences. On a 1 million de ces spécimens. Maintenant, ce sera 1 001 000. Je vais effacer leur mémoire. Attendez, pas d'effacement de mémoire. S'il vous plaît, aidez-nous à faire les yeux à cette maison. T'as une paire d'yeux de rechange, toi? Bien sûr. Choisis. Je préfère les rouges. Maintenant, agrandissons-les. Parfait. Installons-les. Maintenant, on a des yeux. Mission accomplie. Merci. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans vous? Je leur fais toujours pas confiance. Maintenant, il est temps pour nous de partir. Comment on est arrivé là? Qui a fait les yeux? C'est pas moi! Ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que la maison de colère a l'air encore plus cool. Les yeux se ressemblent tellement. Mais comment faire pour avoir la même coiffure? Il nous faut une idée créative. Tristesse m'a envoyé une vidéo. Pourquoi ces chatons sont-ils si tristes? C'est insupportable. Les chatons sont mignons. Excellent. Continue de pleurer. Vidéo amusante. Attends-moi. Il n'y a qu'une seule chance. C'est tout ce dont j'ai besoin. Est-ce que quelqu'un veut des marshmallows? Non, merci. Je suis rassasiée. Et toi? Non, je passe mon tour. Ouais, tant pis pour vous, plus pour moi. Essayons. C'est sucré. J'ai une idée. Jouons le jeu. Tu peux partager? Je viens de proposer. Tiens, ne sois pas avare, donne tout le paquet. Quel appétit! Mets dans le sac. Encore? Mais il m'en reste qu'un. Tenez. Prends tout ce que tu as. Il ne me reste que des peluches. Ça le fera. Prenez-les. Merci. On vole. À la collecte. Besoin du ballon aussi. 3 points. Un autre jouet. Le sac est presque plein. Vous me laissez sans rien. Ça y est, il me reste plus rien. Prenez le dernier. Super. Notre langue est prête. Allons-y. On la met à l'intérieur. Colère, viens par ici. Vous voulez autre chose? Ta maison est prête. D'accord. On va t'amener nous-mêmes. Ne poussez pas! Oh, c'est confortable. Il aime sa maison. Nous sommes la meilleure équipe de construction du monde. Mes excuses. Oh,
Embarras, bonjour. Il faut qu'on rentre. En route. Allons-y. C'est tellement confortable. Allez-y sans moi. Aidez-moi à le soulever. Remettez-moi en place. Tiens-toi bien. Non, je veux retourner dans ma petite maison. Ne t'énerve pas. On y retournera plus tard. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux pas que quelqu'un vole mes maisons. Ça suffit, je préfère les jeter moi-même. Je sais pas comment arrêter ça. Tu as détruit ma nouvelle maison. Je t'aurai pour ça. Je déteste cette maison horrible. Je veux la détruire. Pourquoi tu fais ça? J'appuyais dessus par accident. Et tu l'as cassé exprès. Je sais comment résoudre notre problème. Allons construire nos maisons. Construisons une nouvelle maison. Par où commencer? Oh, c'est vrai, il nous faut un cadre. Je l'ai déjà. Désolée, je me suis précipitée. T'es mon génie timide. Bravo. Maintenant, il faut le découper. Recule, je vais m'en occuper. Tu es si rapide. J'ai fini. Je trouve que ça a l'air génial. Top là! J'ai les paumes moites. On est en retard, ils ont déjà construit le cadre. Ne t'inquiète pas, mes souvenirs heureux vont sûrement nous aider. Donne-les-moi. C'était le bon temps. Yay! Notre base est faite. Je sais comment faire la peau. Utilise mon orange jeteuse. Attends, fais attention avec ce truc. Ne panique pas, je m'en occupe. Oh, il y a tellement de fumée. On a réussi. Top là. Oublie ça. Maintenant, il faut l'attacher solidement. On peut le faire facilement. Allez, embarras. C'est ton moment de gloire. On les a battus. Bravo, l'équipe. Toi, t'es vraiment mon copain timide. On perd contre une folle et un endormi. Qu'est-ce qu'on peut inventer? Je sais. On peut faire la peau avec mes vêtements préférés. Bonne idée, la couleur est bonne. Choisissons quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parti! Celle-là est trop brillante. Tu peux te dépêcher, on prend du retard, là. Patience, monsieur Grincheux. Ça suffit! Arrête de choisir, maintenant! Il est difficile à gérer. Laisse-moi te montrer comment on fait. Ne te fais pas mal! Faisons comme si c'était nos rivaux! Attention à mes affaires! Oh bon... J'ai dit que je m'en occupais! Tu nous as sauvés! Maintenant, attachons-la! Ça a l'air tellement réaliste! C'est bon! Il ne nous reste plus qu'à diviser ce globe en deux parties! Laisse-moi essayer! Waouh, tu es fort! Attends, je dois les repeindre! Tu te débrouilles bien. C'est quoi la suite? T'as tout à fait raison, il faut peindre les pupilles de leurs yeux. Je suis fière de moi. Mettons-les bien en place. Ils sont trop petits. Tout est fichu. C'est fini. Attends, j'ai une idée. Je vais essayer de les faire plus gros. T'as réussi? Deuxième tentative. Essayons. Parfait. Encore un point du plan accompli. Super. Faisons les cheveux. Voilà. Ça devrait suffire. J'ai fini. Tu peux attacher les cheveux. Voyons ce qu'on a. Coiffons. Bon travail. Ils ont déjà les cheveux. Je vois. Pourquoi tu restes là? Réfléchis, réfléchis. On est en train de perdre. Utilise ton cerveau. Tu perds tes cheveux à cause du stress. Attends, c'est super. On peut s'en servir. Oh, c'est pas suffisant. C'est dommage. Attends, juste une seconde. Je veux pas perdre. J'ai un plan. Essayons de les faire pousser. D'abord, ajoutons de l'eau. Wow, regarde le résultat. Encore mieux que ce que j'avais prévu. On a fait pousser une superbe coiffure.
Elle a l'air très élégante. Maintenant, notre maison a des cheveux. Wow! Où as-tu trouvé ça? N'arrête pas de m'étonner, toi. Ouais, on est les meilleurs! On s'est bien débrouillé. Notre maison est plus cool. Elle n'est même pas proche de la nôtre. Quoi? Il est temps de partir. On doit partir aussi. C'était une grande aventure.